C'est François de la chaîne Tutu News, j'espère que vous allez bien. Je suis super content de vous retrouver et aujourd'hui on va déballer ensemble et discuter un petit peu des lunettes de soleil Bose, donc des lunettes connectées que vient de sortir le fabricant il y a environ une dizaine de jours en France. Elles sont déjà disponibles depuis le mois de janvier, je crois, aux États-Unis. Alors ces lunettes, elles sont disponibles en deux versions. La version Alto, donc comme celle-ci, et la version rondo avec des verres un petit peu plus ronds et des montures un petit peu plus petites. Ces lunettes ne se connectent uniquement que via le Bluetooth. Alors le Bluetooth A2PD et le Bluetooth FP, pardon, un peu difficile à prononcer. Sur les branches de ces lunettes, vous allez trouver des micros qui vous serviront donc à passer vos appels téléphoniques et ainsi qu'à activer les assistants vocaux comme Siri, Google ou Alexia. Donc elles vous permettent d'écouter tranquillement votre musique sans avoir l'inconvénient d'avoir les oreilles bouchées soit par des écouteurs intra ou soit par un casque. En ce qui concerne ces lunettes, elles vont fonctionner avec l'application Bose Connect et vous allez pouvoir utiliser aussi ces lunettes avec la fonction Bose AR. On en parlera un petit peu plus tard. Alors, ces lunettes sont compatibles avec les systèmes Apple, avec les systèmes Android. Au niveau de l'étanchéité, ces lunettes, ne sont pas étanches. Elles sont juste protégées par la norme IPX2, donc les projections d'eau. Mais à aucun moment, vous allez pouvoir aller vous baigner avec. Vous prendriez des risques parce qu'à partir du moment où elles vont être immergées, ça va pas passer. Donc, au niveau de son champ d'utilisation, elle a une portée d'environ 9 mètres. Et vous allez pouvoir les appairer à 8 appareils. Alors 8 appareils, mais plus. Elles vont reconnaître les 8 derniers appareils auxquels elles ont été connectées. Et à partir du moment où vous allez vouloir en connecter un 9e ou un 10e, et elles vont effacer les appareils qui ont été connectés le plus loin dans le temps à ces lunettes. Ensuite, au niveau de l'autonomie de ces lunettes, vous allez pouvoir vous en servir environ pendant 3h50 d'après les données de chez Bose et environ 12 heures en veille. Au niveau du temps de recharge, il va falloir compter environ 2 heures. Alors ces lunettes disposent aussi d'un accéléromètre, 9 axes et d'un GPS. Ensuite, vous allez trouver sur ces lunettes une touche multifonction. Cette touche multifonction, elle va servir un petit peu de la même façon que sur d'autres produits Bose. C'est-à-dire qu'il va y avoir la touche multifonction qui va vous permettre de décrocher un appel, de raccrocher un appel, de passer à la chanson suivante en appuyant deux fois de suite dessus, à revenir à une chanson précédente en appuyant trois fois dessus. Elle va vous servir également à l'activation des services vocaux comme Google, comme Siri, comme Alexia. Et vous allez aussi pouvoir rejeter des appels. Alors au démarrage, ces lunettes vous indiquent également le pourcentage de batterie qu'elles ont, ce qui est quand même assez pratique. On n'est pas obligé d'aller sur notre application pour voir à combien on en est. C'est toujours embêtant. Et sur la branche de droite, vous allez avoir une petite diode qui vous indiquera le niveau de batterie. Alors maintenant, on va parler un petit peu de Bose AR. Alors qu'est-ce que c'est ? Bose AR, c'est simplement une plateforme de réalité augmentée, mais audio, sur laquelle Bose va vous proposer des applications dès maintenant à installer et des applications à venir. Il faut savoir qu'il y a pas mal de développeurs qui travaillent pour eux pour sortir de nouvelles applications. Actuellement, vous allez pouvoir avoir comme application, pour la musique, vous avez Spotify et vous avez Apple Music. Alors pour tout ce qui est GPS, vous avez Google Maps et vous avez Waze.
Et vous avez aussi Skype et WhatsApp. Voilà, il faut savoir aussi que donc Bose a passé un partenariat donc avec TripAdvisor et avec l'application Help. Par la suite vont venir des applications un peu plus ciblées sur le voyage et les sports, avec notamment des applications dédiées à tout ce qui est physique. Alors au niveau des options maintenant, vous allez pouvoir mettre sur ces lunettes des verres polarisés. Ces verres sont au prix de 35 euros, vous les trouverez assez facilement, donc notamment chez Bose. Donc les verres polarisés au niveau du modèle Alto, ce sera du gris métallisé façon un petit peu miroir. Et pour les rondos, ce sera un rose gold, assez sympa d'ailleurs, toujours au prix de 35 euros. Si toutefois vous voulez aussi changer la couleur de vos verres, qui sont gris à l'origine, vous allez pouvoir aussi trouver du bleu dégradé. Alors ça, ce sera valable pour les deux modèles et ce sera au prix de 25 euros. Alors maintenant, on va passer au contenu de la boîte. Alors dans la boîte, vous allez trouver donc une paire de lunettes, donc le modèle que vous avez choisi. Vous allez trouver un étui donc de rangement. Vous allez trouver un câble d'alimentation donc pour recharger vos batteries et vous allez trouver une petite chiffonnette pour les nettoyer. Voilà, donc maintenant au niveau du prix, ces lunettes sont disponibles à partir de 229,95 €, donc que ce soit le modèle Alto ou le modèle Rondo. Voilà, alors sans plus attendre, on va passer au déballage. Allez, c'est parti. Alors, donc quand on arrive face à notre boîte, donc au niveau du packaging, donc sur la face avant, donc on voit le descriptif donc Bose Frames, donc avec le petit logo ici, Bose AR. On voit juste au-dessus que c'est le modèle Alto. Quand on tourne, on voit certaines caractéristiques. Donc ici, on voit aussi qu'il n'y a qu'une connexion via le Bluetooth. Sur la tranche, il n'y a rien. Et sur l'autre côté, donc les caractéristiques techniques ainsi que les numéros de série. Allez, c'est parti, on déballe ça tout de suite. Alors, on enlève la petite languette. Alors, on va ouvrir ça. Alors, on tombe sur la boîte donc de rangement des lunettes avec la petite insigne Bose dedans. Ensuite, dans notre boîte à l'intérieur, eh bien, on va y trouver une petite pochette avec donc les feuillets explicatifs. Et c'est tout pour cette boîte. Ensuite, ce qui nous intéresse, eh bien, ça va être donc les lunettes. Donc les voici. Donc là, on va mettre la boîte de côté. On va regarder ce qu'il y a dans cette petite pochette. Et bien, dans cette petite pochette, il s'agit du câble donc de recharge, USB d'un côté et après la petite fiche spécifique donc de chez Bose. Ensuite, voici donc les lunettes. Donc sur le côté, vous allez pouvoir voir juste ici, et je vais vous mettre ça un petit peu sur des photos en plus grand, donc des petites enceintes. Vous allez en avoir juste sur le dessous aussi. Ensuite, vous avez le connecteur juste ici, le connecteur pour la charge. Vous avez une petite LED juste à côté, donc la LED pour la batterie. Et ensuite, vous avez le bouton multifonction qui se trouve juste ici. Alors, ces lunettes font 45 grammes au total. Et donc, vous voyez, les verres d'origine sont gris. Et donc filtre tout ce qui est UVA, UVB à hauteur de 99%.
Donc maintenant pour résumer, ben voilà ce que vous trouvez dans la boîte. Donc la boîte de rangement, le câble avec sa petite pochette et donc la petite chiffonnette qui vous sert à nettoyer la boîte, les feuilles explicatives et les lunettes. Alors maintenant, voyons voir ce que donnent ces lunettes. Voilà. Donc au niveau du confort, c'est vraiment pas désagréable. Elles sont pas trop lourdes. Moi, je vois parfaitement bien avec. Vous voyez que le système Bose s'est activé, donc je l'entends et c'est assez magique. Hein, bon, alors naturellement pour les avoir testés donc à plusieurs reprises, alors c'est assez bluffant parce que j'ai eu l'occasion donc d'essayer ces lunettes donc sur des modules en magasin. Donc c'était déjà assez impressionnant. C'est vraiment très très surprenant quoi. Dès que vous mettez les lunettes, on n'est pas du tout habitué à ça et vous avez une restitution du son qui est vraiment pas mal du tout. Alors naturellement, bah, j'ai demandé à le tester avec de la musique que j'ai l'habitude moi d'écouter pour être le plus objectif possible. Alors du coup, ce que moi j'ai trouvé, c'est que voilà, ça manquait, le son est clair, mais ça manquait beaucoup beaucoup de basse. Enfin, à mon goût. Voilà. Sinon, au niveau du son, c'était très bon. Au niveau du volume sonore, bah, ça peut monter assez fort aussi. Alors, je pense qu'en utilisation normale, la personne qui est à côté de vous doit pratiquement pas entendre ce qui se passe donc au niveau de la diffusion de la musique ou alors de votre conversation. Par contre, à haut niveau, si la personne est vraiment très près de vous, je pense elle peut arriver à entendre quelques sons. Voilà. Enfin, tout ça pour dire que c'est vraiment bluffant. C'est des lunettes. Alors déjà au niveau de la qualité, bon, c'est pas mal, mais bon, ça reste un peu du plastique. Hein, voilà, ils sont pas trop cassés sur sur l'aspect. C'est plus au niveau de la technologie en fait bah, qu'ils ont travaillé. Voilà. Bon, ça a quand même un beau rendu. Alors j'ai essayé les deux modèles. Les deux modèles sont assez sympas, mais effectivement, les rondos, moi, pour mon visage, sont un peu plus serrés. De toute façon, au niveau des caractéristiques donc, de ces deux paires de lunettes, bah, je vous ai déjà mis ça en début de vidéo et je vais vous remettre ça aussi à la fin. Voilà, donc j'espère que cette bah, vidéo vous a plu. Alors surtout, n'hésitez pas donc à liker, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne et surtout à me laisser des commentaires. Bah, je trouve assez sympa de discuter avec vous, de répondre à vos questions si j'ai les réponses. Et surtout, si vous les avez déjà, et bah, n'hésitez pas à m'en parler. Moi, ça m'intéresse. Voilà, bah, écoutez, je vous dis à bientôt. C'était François. Ciao!